Tu te reposes pas? Oh, ben oui, une repose. Tu te reposes puis tu travailles? C'est. Tu travailles? C'est. Tu te reposes? Oui, c'est. Tu fais les deux? Les deux. Tu te reposes ou bien tu travailles? C'est. Qu'est-ce que tu fais? C'est, je fais. Qu'est-ce que tu fais? T'es niaise depuis tantôt. Ah, oh, c'est donc ça! Ça me t'es assez grand, catché. Eh bien, nous regardons les conseils. Alors, bonsoir, mon cher Bob. Bonsoir, Pierre. Oui. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bob, comment t'as trouvé ça, le Festival des films publicitaires? Ne quoi? Les films publicitaires, c'était ton sujet cette semaine? Notamment, elle a entendu parler. Ben oui, tu me dis que t'es allé voir ça. C'est? Oui, bon. Mais pourquoi tu dis que tu connais pas ça? Je n'ai pas dit ça, je me dis ça. T'as dit que tu n'avais jamais entendu parler. Je sais, si. Bon, tu me sembles que tu m'as dit ça, t'es allé voir. Oui, t'es allé, assez, ne capote pas. Ne, non. Ah. T'as pris la bière? Non. Je sais pas où t'es rendu dans ton histoire, souris. Mais par rapport au film publicitaire, là, c'est quoi ton évaluation d'un film que t'as vu? One moment. Les images. Par favor. Les images. Un scénario louche, une interprétation bouleversante. Bouleversante. Une tournée de télévision. Ah, bon, mais je comprends. Alors, voici donc les loutres d'or, ouais, d'argent et de bleu poudre, telles que sélectionnées par Bob Billet. Yes, sir, never, oh, non. Que la... Ça doit être énervant, Bob, de faire sa première entrevue. Pas tout, non. Mais dis-nous, comment ça s'est passé, cette entrevue-là, là? Elle n'a posé question. Ouais. Elle n'a posé réponse. Ah, c'est une belle histoire. N'importe quand. On regarde ça. Ouais, monsieur. Salut. Non, t'es quoi ton nom? Daniel Dechem, Mario Trudel. Non, de nom de fille. Claude Dubois. Non, affaire de Zeppelin, affaire d'enfant. Jean-Marie Moreau. Non. Hey, comment t'as appelé? Peut-être Nathalie Simard. Ça! All right! Watch out! Nathalie, n'a fait enregistrer à 10. Franchement. Toi aussi, tu m'en as écouté à 10, hein? À papa. Extraordinaire. Capoté. Super. N'importe quand. Fantastique. Train le truc. Sublime. Bonne note. C'est un bijou, c'est une mélodie. Non, elle s'appelle. C'est. Ah, t'as eu, Roger? Watch out, never! Yeah! Bon, on va y aller. Les cheveux! Capote pas. Les cheveux, moi tout. Pause là, tu sais, à la fin, là, c'est pas très, très poli là, d'arrêter l'entrevue pendant qu'un interviewé parle. C'est? Ouais. De ne parler, la fille, un moment donné, de passe, okay, de l'affaire, c'est un moment donné, je n'en capte pas, c'est qu'on va parler, oh. Moi, elle parle. Tu m'as dit ça? N'importe quand, elle passe, n'importe où, je sais quoi. Bonne minute, on n'a pas compris, mais c'est pas grave, on pardonne. Depuis que les Bleu Poudre ont sorti leur disque à vendre, tout le monde leur donne. On va être chez vous, ben ça va chez nous. Non, moi, m'en va chez nous, comment c'est de tanner d'une histoire de macho. Ouais, comment paye, pis de Chris. Ouais, tu veux une chier avec une 20, tu as 3 jours, t'es ici, t'as taboué, pisse, t'as fini plus. Comment crash le mouton. Ouais. La brassette, la bousculade, badingue, pédine. Même pas des peignets. Plus vent! Le spectacle. Même affaire. Iron Maiden, des stickers, des stickers partout, où tout n'avait un. Motadine, pas fin. Ensuite, elle était dit bonjour à la police. Watch out, pas de drogue à soir, hein? Jamais. Non, watch out, never. Ils disent tout ça. Un moment. Non. De rock'n'roll. Des repas couchés. Bonne nuit. OK, bonne nuit. Toi-même. Des jeunes, une jeune fille, elle a rencontré.
de la capote, moi, là. Ensuite, on a donné un spectacle en face de la dame en bleu. Là, on a joué une toune triste. Je travaille dehors, mais il est déjà dehors. Après ça, on a une peine d'amour. On a sniff, sniff du bord de poteau de la trice. Ouais.